Par un après-midi de printemps, l'oiseau à la langue velue regarde attentivement la maison de Zorbier. Mais pourquoi? Que veux-tu savoir, petit oiseau? Je te le demande. Je veux savoir. Oui. Ce que manigance ce petit. Oui, mais là, on ne comprend rien. Dans la maison de Zorbier. Mais que se passe-t-il? On dirait qu'il a un problème. Je la ferme, attention, d'aller manger des oiseaux dehors. Très intéressant, mais manger des oiseaux? Mais il me semble... Oui, c'est interdit par la loi, je crois. Mais pourquoi faire cela? Tu la fermes, attention, d'aller manger des oiseaux dehors. C'est interdit. Ah oui, c'est comme ça. Très bien. Vous en subirez les conséquences. Non mais dis donc. Zorbier, en dépit de la loi, mangea tout de même les pauvres oiseaux tarés. C'est bon. À quelle scène d'horreur assistons-nous là? Les enfants cachaient les yeux tout de même. Ce n'est pas un spectacle à voir pour tout le monde. Regardez, l'oiseau en chie par terre. Je ne sais pas si vous avez compris ça, mais pour ma part, je crois qu'il a eu vraiment peur. Zorbier l'enculé. Oh, mais attention qui va là. Le roi des oiseaux. Il a une barbe plus impressionnante que toutes les plus belles montagnes du monde puissent exister. On dirait bien qu'il a quelque chose à reprocher, vu son air, quelque chose à reprocher à notre bon vieux Zorbier. Je l'avais prévenu! Il voulait manger les oiseaux! Et alors là, on mange mes oiseaux? Attention! Je vais appeler la police, moi! Venez! Alors là, vraiment, on dirait bien que Zorbier a de gros problèmes. Attention, Zorbier. Tiens-toi sur tes gardes. Tu t'en prendras plein la gueule. Ah oui, Zorbier, tu peux rigoler. Mais là, tu ne fais qu'aggraver ton cas. Je ne peux rien te dire, mais tu vas simplement contribuer à l'augmentation de la criminalité. Mais tu ne t'en rends pas compte. Moi, je m'en rends compte. C'est bien ça le problème. Zorbier, mais arrête de rigoler, voyons. Tu es dans un pétrin le plus absolu. Dans cette situation, je ne saurais que faire. Regarde le moustachu. Il est heureux. Il est heureux de t'avoir mis en prison. Je te l'avais bien dit. Il ne faut pas manger mes oiseaux. Ça t'apprendra. Fumier. Alors là, Zorbier, là je ne peux rien faire pour toi. Tu n'as pas voulu écouter ni le moustachu roi des oiseaux, ni moi. Je ne vois pas qui tu peux croire d'autre. Voilà, Zorbier. Tu es en route. Tu peux maintenant entrevoir le fameux, le horrible bâtiment sordide. Je ne peux pas décrire ce bâtiment. Mais tout ce que je peux voir, c'est le noir en feu te regarde et semble se
participer dans la nature. Ouais, c'est nul. Effrayant. Oh là là, mais c'est la mascotte de la prison. En même temps, le gardien. C'est l'affreux Gordolex. Son bec est plus effrayant que n'importe quel pic à glace. Que tout l'univers puisse nous impressionner. Son plumage est plus impressionnant que n'importe quel... qu'un sphinx puisse rougir de tout poil. Méfie-toi, Zorbier! Tu risques la mort! Zorbier, tu n'as pas l'air de t'en soucier d'être dans cette cellule. Moi, à ta place, je pisserai dans mon froc. J'en pisserai dans mon froc! Tu comprends, Zorbier? La peur ne vient que devant le mal. Oh, mais qui apercevons-nous derrière? Le compagnon de cellule a l'air vraiment malsain. SSQL. À toi de jouer, Zorbier. Essaie par la ruse de l'accoster. Je ne crois pas que ce sera des plus faciles ou des plus simples. Enfin, toujours est-il d'aller lui parler. C'est le plus important pour avoir une bonne relation. C'est ce que... Oui. C'est bon. Il est à toi, Zorbier. Il est devant toi. Je ne vois qu'une seule chose à faire. Parle-lui le plus sincèrement possible. Bravo, Zorbier, là. Tu m'as épaté. Bon, maintenant, voyons ce qu'a à répondre ton interlocuteur. On m'appelle... Salut, comment ça va? On m'appelle Todd de Gland. Ou bien aussi, des fois, il y a des gens, surtout dans la prison, qui m'appellent... La Crotte. C'est plutôt drôle. C'est le genre de choses qui me fait vraiment marrer, moi. Et toi, comment tu t'appelles? C'est impressionnant. C'est un humour extraordinaire. Je n'ai jamais entendu un sens de l'humour aussi développé. C'est vrai. C'est la vérité. Zorbier, il est temps de dire ton nom à tête de gland. Zorbier! On peut dire que c'est une façon de dire son nom des plus impressionnantes. Oh, la surprise est des plus surprenantes pour les yeux de Zorbier. Impressionnante des... Mais qui voit-on arriver là? C'est le roi des azos. Il est là, mais qu'a-t-il fait pour arriver en prison? Ah, la punition, c'est ça. Essayons de savoir plus précisément ce qui s'est passé. Pour quelle raison le voilà arrivé dans une situation aussi controversée? Allons lui demander, et ne traînons plus. La police m'a arrêté. Car j'avais mangé des oiseaux. Bienvenue, bienvenue, bienvenue.
à croire qu'il n'y a plus aucune justice dans cette ville. Le roi des oiseaux s'est fait arrêter pour une raison des plus impressionnantes qu'il soit de voir depuis l'histoire des becs. Dis n'importe quoi. Quoi? Mais je viens de me rendre compte. Le roi des oiseaux a fait la même erreur que notre bon vieux Zorbier. Il lui reprochait d'avoir mangé des oiseaux. C'est ce qu'il a fait. Mais ce n'est qu'un enfant de putain. Un enfant de putain. Enfant de putain. Putain.